non, c'est une fille qui vient parfois jouer au tennis ici à 6 heures du matin, et c'est le seul moyen que j'ai de l'appeler. Ok, juste pour la cause. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais elle vient pas? On continue à jouer jusqu'à ce qu'elle vienne. Bonjour. Salut, comment allez-vous? On est en train. Mais quel magasin? Vous travaillez dans un endroit et vous ne figurez pas au nombre des employés, c'est curieux. Je n'ai pas fait d'enquête, vous voulez vous retrouver. Bonjour, excusez-moi, je cherche une employée qui doit être. Ici, presque personne travaille le samedi. Elle s'appelle Marcy. Oh, Marcy, oui, elle est par là, vous la trouverez de l'autre côté. Oui, mais si je porte mon âge. Oui, je sais. Vous ne travaillez pas pour Bonne Nuit. Bonne Nuit travaille pour vous. N'exagérez pas, Oliver. C'est pas aussi simple. Je reconnais que je suis un peu paranoïaque. Je suis tout à fait d'accord sur ce point avec mon ex-épouse. Parlez-moi de lui. En un mot, la perfection fait homme. Le mari absolument idéal de la vie de tout le monde. Pour lui, d'ailleurs, lui, hein, très grand. Charmant, ambitieux. Le conseil d'administration m'a laissé en tout et pour tout un fauteuil de consolation. Je viens de passer une fichue année. Par le désir de me mélanger avec le peuple qui me plaçait toujours dans la promiscuité des bœufs de Brooklyn et du Bronx. C'était toujours moi qui étais la plus riche et j'ai passé mon enfance à faire semblant d'être pauvre. Je vais vous enlever tous vos complexes. Ma famille est également cousine. Deux hot dogs et deux cafés, s'il vous plaît. Des usines. Oui, ben, pourquoi pas là-bas? Vous voulez de la moutarde? C'est gratuit. Avec plaisir. Je m'appelle Jimmy. En 6, et
et je travaille ici. Si aujourd'hui était un jour ordinaire, je travaille ici. Alors, nous avons décidé de l'enlever du métier numéro 1 de croquettes sans pot. À Oliver Barrette, troisième, qui est resté quand les autres sont partis, en remerciement les hommes et les femmes des usines d'arrêt. Tourner dans sa tombe. Rappelle-toi, il a dirigé la grève contre le père de Barrette. Il l'a dérouillé. Oui, c'était une mauvaise époque. Barrette et son père, ça fait deux. Celui-ci, on peut discuter. Souviens-toi, il est très bien.